Donc, hier, c'était l'apparition, la célébration de la, du 126e anniversaire de l'apparition de sa divine grâce, Esi Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada, fondateur du mouvement international pour la conscience de Krishna, ISKCON. Et eh bien, c'est bien, nous allons pouvoir continuer aujourd'hui à poursuivre dans le... dans le nectar de la description et de la lecture de sa vie, hein, puisque Srila Prabhupada a accompli l'œuvre extraordinaire qui est de fonder le mouvement international pour la conscience de Krishna et de ainsi continuer à répandre la mission du Seigneur Chaitanya, dans laquelle le saint nom de Krishna sera répandu dans chaque ville et chaque village, sera chanté dans chaque ville et chaque village. So yesterday was actually the Vyasa Puja of His Divine Grace Srila Prabhupada. And so continuing today, we are going to read about the pastimes of Srila Prabhupada and to see how His Divine Grace actually continued the mission of Lord Chaitanya, performed the mission of Lord Chaitanya, that is to say, to spread the holy name of Lord Krishna in every town and village. So I'm going to read in English and in French. So we'll try to do it. So here we are in Srila Prabhupada Lilamrita. Where that is. Swami invites the hippies and therefore, it takes place. Yes, in San Francisco. Yes, so it is the very beginning of our movement, of ISKCON movement. In San Francisco, that must be around 1967. Donc, on va lire à partir du Prabhupada Lilamrita. Donc les débuts du mouvement Hare Krishna à San Francisco, cela, semble-t-il, se passe en 1967. 67. The chapter is entitled Swami Invites the Hippies. Yes. Comme la vie de Srila Prabhupada, c'est Shastra, c'est, on va dire, notre prière. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So here, donc ici, nous avons un dévot, Mukunda, qui est des tout premiers dévots de Srila Prabhupada à New York. En fait, à San Francisco, hein, sur la côte ouest des États-Unis. Donc Mukunda, c'est un de ceux qui a préparé la venue de Srila Prabhupada à San Francisco. Et donc, là, on va parler de son échange avec Srila Prabhupada. So here we have a conversation with Mukunda Prabhu, who after became Maharaj. And he is one of the very first devotees who introduced Krishna consciousness and Srila Prabhupada on the west coast of America in San Francisco. Donc je vais lire en français et en anglais, enfin ou en anglais et en français. In his exchanges with Srila Prabhupada, Mukunda liked to assume a personal of fraternal camaraderie rather than one of menial servitude, and Srila Prabhupada reciprocated.
Sometimes, however, Prabhupada would assert himself as the teacher. Once, when Prabhupada walked into Mukunda's apartment, he noticed a poster on the wall showing a matador with a cape and sword going after a bull. This is a horrible picture, Prabhupada explained, his face showing displeasure. Mukunda looked at the poster, realizing for the first time what it meant. Yes, it is horrible, he said, and tore it off the wall. Donc, avec ses, dans ses échanges avec Srila Prabhupada, Mukunda aimait assumer la posture d'une franche camaraderie, d'une camaraderie fraternelle avec Srila Prabhupada, plutôt qu'une attitude de service humble. Et Srila Prabhupada réciproquait dans une telle attitude. Parfois, cependant, Srila Prabhupada se posait comme l'enseignant, le teacher. Un jour, Srila Prabhupada marchait dans l'appartement de Mukunda et il remarqua un poster, une affiche sur le mur, qui montrait un matador avec une cape et qui était en train de brandir son épée vers un taureau. Voici une... ça c'est vraiment horrible, Srila Prabhupada s'exclama, en montrant beaucoup de dégoût devant une telle affiche. Mukunda remarqua le poster et réalisa pour la première fois ce qu'après tout ce poster voulait dire. Et il répondit à Srila Prabhupada, « Oui, c'est vraiment horrible. » Il dit ceci et il déchira le poster du mur. Je crois qu'on a déjà vu ça. Je ne sais pas, moi c'est la marque qu'il y avait sur le... Bon, vous voulez qu'on lise plus loin? On a fini une dernière fois ici. D'accord. Avec cette partie de on a fini avec cette paragraphe. Bon, alors on va lire la page d'après. À l'épouse de Mukunda's wife, Janaki, Krishna consciousness meant dealing in a personal way with Swamiji. As long as he was around, she was all right. She enjoyed asking him questions, serving him and learning from him how to cook. She didn't care much for studying the philosophy of Krishna consciousness, but she quickly developed an intense attraction for him. Pour la femme de Mukunda, Janaki, la conscience de Krishna signifiait agir d'une façon très personnelle avec Swamiji. Quand il se trouvait dans les environs, elle était très heureuse. Elle aimait bien lui poser beaucoup de questions en le servant et en apprenant de lui comment cuisiner. Elle n'était pas très intéressée pour étudier la philosophie de la conscience de Krishna, mais rapidement, elle développa un intense attrait pour lui. Janaki speaking. There were a group of us sitting around in Swamiji's apartment. And I asked him if he had any children. He looked at me as if I had said something strange, and he said, "You are not my child?" Mm-hmm. I said, "Well, yes." And he said, "Are you not all these my children?" And his answer was so quick that I never doubted that he seriously meant what he said. Janaki parle. Il y avait un groupe de dévots qui était assis dans les appartements de Swamiji et je lui demandais s'il avait des enfants. Il me regarda comme si je lui avais demandé quelque chose d'étrange et il répondit « N'es-tu pas mon enfant ?» Et je lui répondis « Mais oui. » Et il répondit de nouveau « Et tous ceux-ci ne sont pas mes enfants non plus ?» Et sa réponse fut si rapide que je n'ai jamais douté un seul instant qu'il était très, très sérieux dans ce qu'il disait. For several hours each morning, Prabhupada showed Janaki, Joan and others how to cook. One day in the kitchen, he noticed a kind of berry he had never tasted, and he asked Janaki what they were. She told him it was strawberries. He immediately popped one into his mouth and said, "That's very tasty." And he proceeded to eat another and another, explaining, "Very tasty,
pendant plusieurs heures, Srila Prabhupada, le matin, tous les matins, Srila Prabhupada montrait à Janaki, Joan, Joan, elle deviendra, qui est la sœur de Janaki, elle deviendra plus tard Yamuna Devi. And others, how to cook. One day in... ça je l'ai déjà dit en anglais. Donc, toutes les heures du matin, chaque matin, Srila Prabhupada montrait à Janaki, à Joan et à d'autres comment cuisiner. Un jour, dans la cuisine, il remarqua une sorte de baie dont il n'avait jamais goûté. Et il demanda à Janaki de quoi il s'agissait. Elle lui répondit qu'il s'agissait de fraises. Alors immédiatement, il prit une fraise et la lança dans sa bouche en disant « Hum, c'est vraiment bon, ça a du goût ». Et il le fit ainsi avec tout le chaque fraise l'une après l'autre, à chaque fois disant « Oh, c'est vraiment très bon ». One time, Janaki was making whipped cream when Prabhupada came into the kitchen and asked, "What's that?" She replied, "It is whipped cream." "What is whipped cream?" he asked. "It is cream," she replied. "But when you beat it, it fluffs up into a more solid form." Un jour, Janaki faisait de la crème fouettée dans la cuisine lorsque Prabhupada entra et demanda, "Qu'est-ce que c'est que ça ?" Elle répliqua, "C'est de la crème fouettée." "C'est quoi la crème fouettée ?" répondit-il. "Ben, c'est de la crème," dit-elle. "Mais si vous la battez, elle va prendre une forme un peu plus solide." Although always adamant about kitchen rules, one of the most important being that one could not eat in the kitchen, Srila Prabhupada immediately dipped his finger into the whipped cream and tasted it. "This is yogurt," he said. Bien que toujours très attentif en ce qui concerne les règles de la cuisine, et l'une des règles les plus importantes étant que jamais on ne peut manger dans la cuisine, Srila Prabhupada trempa immédiatement son doigt dans la crème fouettée et se mit à la goûter. Il dit, "Mais ça c'est du yaourt." In a light-hearted, reprimanding way, that was her pleasure, Janaki replied, "No, Swamiji, it is whipped cream." Srila Prabhupada corrected her, "No, it is yogurt." And again, he put his finger into it and tested it, saying, "Oh, it tastes very nice." Donc, d'un cœur léger, mais quelque peu en le réprimant, Janaki répondit, non, c'est pas du yaourt, Swamiji, c'est de la crème fouettée." De nouveau, Srila Prabhupada la corrigea, "Non, c'est du yaourt." Et de nouveau, il mit son doigt dans la crème en disant, "Oh, mais c'est vraiment bon." Swamiji, Janaki accused him, "but you are eating in the kitchen." Srila Prabhupada merely smiled and shook his head back and forth, saying, "That's all right." Swamiji, Janaki se mit à accuser Srila Prabhupada, "mais vous êtes en train de manger dans la cuisine." Srila Prabhupada se mit à sourire à peine et balança sa tête de haut en bas, en avant en arrière, disant, "Allez, ça va." Janaki, "One time I told him, 'Swamiji, I had the most exciting dream. We were all on a planet of our very own, and everybody from Earth had come here. They had all become pure devotees, and they were all chanting. You were sitting on a very special chair, high off the ground, and the whole earth was clapping and chanting Hare Krishna.' Swamiji smiled and said, 'Oh, that's such a lovely dream.'" Mm. Janaki, "un jour, je dis à Srila Prabhupada, 'Swamiji, j'ai eu un rêve vraiment formidable. Nous étions sur une planète qui était notre planète à nous seulement, et chacun présent sur cette planète était venu au même endroit. Tout le monde était devenu des purs dévots, et on était tous en train de chanter Hare Krishna. Vous étiez assis sur une chaise très très spéciale qui ne touchait pas la terre,
et toute la terre entière était en train de frapper des mains et de chanter Hare Krishna. Swamiji se mit à sourire et dit « Oh, mais voici un rêve absolument adorable !» Bon, voici une autre histoire. So, Bonnie MacDonald, age 19, and her boyfriend, Gary McElroy, 20, had both come to San Francisco from Austin, where they had been living together as students at the University of Texas. Bonnie was a slight, fair blonde with a sweet southern drawl. She was born and raised in southeast Texas in a Baptist family. In high school, she had become agnostic. But later, while traveling in Europe and studying the religious art there and the architecture of the great cathedrals, she had concluded that these great artists couldn't have been completely wrong. Bonnie MacDonald, âgée de 19 ans, et son petit ami, Gary McElroy, âgé de 20 ans, étaient venus à San Francisco en partant d'Austin, au Texas, où ils avaient vécu ensemble comme des étudiants à l'université du Texas. Bonnie était une jolie blonde avec un aspect du Sud. Elle avait été éduquée dans une famille du sud du Texas, dans une famille baptiste, protestante baptiste. À la grande école, elle était devenue agnostique. Mais plus tard, alors qu'elle voyageait en Europe, mais qu'elle avait étudié l'art religieux et qu'elle avait vu l'architecture des grandes cathédrales, elle en avait conclu que tous ces grands artistes qui avaient construit les cathédrales ne pouvaient pas avoir complètement tort. Gary, the son of a US Air Force officer, had been raised in Germany, Okinawa, and other places around the world before his family had settled in Texas. His dark hair and bushy bronze gave him a scowling look, except when he smiled, and he was one of the first students at the University of Texas to wear long hair and experiment with psychedelic drugs. While taking LSD together, he and Bonnie had become obsessed with the idea of going on a spiritual search. And without notifying their parents or school, they had driven to the West Coast in search of someone who could teach us about spiritual life. Gary, qui était le fils d'un officier de la US Air Force, avait été élevé dans une base américaine à Okinawa, du nom d'Okinawa en Allemagne, et ainsi que dans d'autres endroits dans le monde, avant que sa famille ne vienne s'installer au Texas. Ses cheveux bruns, foncés, et ses gros sourcils lui donnaient un air un peu intellectuel, sauf quand il se mettait à sourire. Il était un des premiers étudiants de l'Université du Texas à porter des cheveux longs et avoir expérimenté les drogues psychédéliques. Alors que lui et Bonnie se mettaient à prendre du LSD ensemble, ils étaient devenus tous les deux obsédés avec l'idée de se rendre dans une quête spirituelle et sans prévenir leurs parents, ni prévenir l'école non plus, ils s'étaient rendus sur la côte ouest des États-Unis, en quête de quelqu'un qui pourrait leur enseigner la vie spirituelle. They had spent a few frustrating months searching through spiritual books and among spiritual groups in Ashbury. They had become vegetarians. Gary had started teaching himself to play electric guitar, while Bonnie had gone to Golden Gate Park every day to perform a self-styled Hatha Yoga meditation, but gradually they had become disillusioned and had felt themselves becoming degraded from drugs. Donc, ils avaient passé plusieurs mois très frustrés dans leur quête spirituelle, à étudier, à chercher des livres,
et dans divers groupes spirituels à Ashbury, à San Francisco. Donc Ashbury is the place where all the hippies meet in San Francisco. Ashbury, c'était le haut lieu de la culture hippie à San Francisco. Ils étaient devenus végétariens. Gary avait commencé à apprendre de lui-même la guitare électrique. Et Bonnie s'était rendu au Golden Gate Park chaque jour pour essayer toute seule des sortes d'exercices de Hatha Yoga en méditation. Mais graduellement, tous les deux étaient devenus très désenchantés et se rendaient bien compte que la drogue les dégradait complètement. When the disciple is ready, the guru will appear, they had read, and they had waited eagerly for the day when their guru would come. Although Bonnie had spent most of her time in the parks of San Francisco, one day she'd been looking through a table full of magazines in a Ashbury Head shop when she had found a copy of Back to Godhead, the mimeographed journal produced by Srila Prabhupada's disciples in New York. She'd been particularly attracted to Ayagriva's article about Swamiji. The descriptions of Swamiji's smile, his bright eyes, his pointy-toed shoes, and the things he had said had given her a feeling that this might be the guru she'd been looking for. And when she had learned that this same Swamiji had opened an ashram in A. Ashbury, she had immediately started searching through the neighborhood until she'd found the temple on Frederick Street. Lorsque le disciple est prêt, le gourou apparaît. Ils avaient lu ça quelque part. Et ils avaient attendu très très impatiemment le moment, le jour où leur gourou apparaîtrait, se manifesterait devant eux. Bien que Bonnie avait passé la plupart de son temps dans les parcs de San Francisco, un jour, elle tomba sur un tas de magazines, de journaux, dans une boutique de Ashbury. Et elle trouva dans le tas une copie du Back to Godhead, le journal typographié produit par les disciples de Srila Prabhupada à New York. Elle avait été particulièrement attirée par l'article de Ayagriva about Swamiji. The descriptions of Swamiji's smile is bright. Les descriptions du sourire de Swamiji, ses yeux brillants, ses chaussures amusantes et pointues, et ce qu'il avait dit, lui avait donné le sentiment que cette personne-là, Swamiji, pouvait être bien le gourou qu'elle recherchait. Et elle avait appris par ailleurs que ce même Swamiji, en fait, avait ouvert un ashram à Ashbury. Alors, immédiatement, elle se mit à rechercher dans les environs, dans le voisinage, jusqu'à ce qu'elle finalement trouve le temple qui se trouvait à Frederick Street. Little comment, as we said yesterday, about book distribution and books of Krishna consciousness. Of course, all the books, productions, magazines are just like bombs, which will one day make their produce some effect. Which will explode one day and make their effect. Donc, comme on l'a vu hier, toute la littérature consciente de Krishna, tous ces livres ou ces magazines qu'on distribue, ce sont des bombes à retardement qui un jour feront leur effet. Here we see that this young girl, Bonnie, she just found a magazine, and that was it. Immediately, she tried she started to read, became interested, and started to find where the ashram could be. Donc on a vu cette jeune fille, elle est tombée par hasard, mais il n'y a pas de hasard, elle est tombée sur un magazine,
comme ça, elle a commencé à le regarder, et immédiatement, elle a commencé à chercher où pouvait bien se trouver le local de la personne qui se trouvait dans le magazine. This reminds me of my own story, which after all is in one sense similar. I was in the street. Someone, a nice Vaishnavi devotee, Sataru Pamataji, gave me a magazine, a BTG. And she gave me also Prashad, but still, when I read this magazine, it appeared really magic to me. And wow, the magazine was very special, a BTG actually. And I tried to find where the temple was, and I found, and I went, and this was the start. Ça me rappelle ma propre histoire, lorsque j'étais un jeune homme, un jeune garçon dans la rue, 16 ans, et dans Paris, il y a une belle Vaishnavi, Satarupa Mataji, qui m'a remis un magazine BTG. Tout de suite, j'ai vu ce elle m'a donné du prachad aussi. J'ai vu tout de suite ce magazine qui m'a immédiatement attiré. Je me suis dit, oh là là, il faut que je trouve cet endroit. J'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai trouvé. Je suis allé au temple et voilà, c'était le début. Donc, these books, these publications of Hare Krishna are really, really strong, you see. Very special magazines. And here we see that actually the magazine we speak of, it was one of the very, very first. It was not really elaborated one. It is said here, it is Miami O-graved journal. That is to say, it was something very simple, only in black and white, most probably. And but still, it was so powerful that it attracted immediately this young lady. Donc on voit ici que le journal dont il s'agit n'était même pas probablement un journal de bonne qualité, si l'on peut dire. C'était quelque chose de, comme on disait à l'époque, renéotypé, c'est-à-dire une sorte de photocopie, quoi. Probablement seulement en noir et blanc. Et pourtant, même comme ça, c'était tellement attirant que cette jeune fille, elle a cherché à en savoir plus. Before Bonnie and Gary met Swamiji, they had both been troubled. Gary was in anxiety about the threat of being drafted into the army, and both of them were disillusioned because they had not found the truth. They had come to San Francisco to find. So on meeting Srila Prabhupada in his room, they began to explain their situation. Avant que Bonnie et Gary rencontrent Swamiji, ils étaient vraiment très très dérangés. Gary était dans l'anxiété, dans la peur d'être enrôlé dans l'armée. Et Booth et tous les deux étaient dans une désillusion complète parce qu'ils n'avaient pas trouvé la vérité qu'ils cherchaient à San Francisco, alors qu'ils étaient venus exprès pour ça. Aussi, en rencontrant Srila Prabhupada dans sa chambre, ils commencèrent à lui expliquer leur situation. So here we have to find that we are at the end of the 60s, and at this time to go in the army for an American boy means to be sent to Vietnam, and so many young boys lost their life in Vietnam. So many of them who had become hippies wanted to escape the army. It was a sad situation. Donc faut bien comprendre qu'à cette époque-là, on est dans la fin des années 60, et que être envoyé à l'armée pour un jeune Américain à cette époque-là, ça veut dire direct vers le Vietnam, la guerre du Vietnam qui a fait tellement de morts chez les jeunes Américains. Donc on imagine comment ils étaient dans l'anxiété. Et beaucoup étaient devenus hippies, d'ailleurs, pour échapper au service militaire. Donc, here we have a conversation with Bonnie and Srila Prabhupada. Bonnie. He was sitting in a rocking chair in his little apartment, and he looked at us like we were crazy, because we were, and said, "You come to my classes, simply come to my classes every morning and every evening,
and everything will be all right. That sounded to us like an unbelievable panacea, but because we were so bewildered, we agreed to it. Bonnie raconte. Donc, il était assis dans un rocking chair et dans son petit appartement. Et il nous regarda comme si nous étions des fous. Et en fait, on était des fous. Et il dit, bon, eh bien, vous n'avez qu'à venir à assister à mes classes, mes conférences. Venez simplement à mes classes, tous les matins et tous les soirs. Et tout ira bien. Cela nous sembla quelque chose comme une panacée, un compromis incroyable. Mais nous étions tellement désenchantés et complètement étonnés que nous furent d'accord pour cela. I told him, I traveled all over Europe. And he said, oh, you have traveled so much. And I said to him, yes, I've traveled so much. I've done so many things. But none of it ever made me happy. He was pleased with that statement. He said, yes, that's the problem. Je lui dis, j'ai voyagé dans toute l'Europe. Et il a répondu, oh, vous avez vraiment beaucoup voyagé. Et je lui ai dit, oui, j'ai vraiment voyagé beaucoup, beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses. Mais oh, rien de ce que j'ai fait ne m'a rendu heureux jusqu'à présent. Et il fut très satisfait d'entendre une telle affirmation. Et il répondit, oui, c'est bien ça le problème. We began going to his morning lectures. For us, it was a long distance to get there at 7 in the morning. But we did it every morning with the conviction that this was what he had said to do, and we were going to do it. Then one day he asked us, what do you do? When we said that formerly we had been art students at college, he told us to paint pictures of Krishna. Shortly after that, we asked to be initiated. On a commencé à nous rendre à ces classes tous les matins, car pour nous c'était quand même une grande distance. C'était difficile de nous y rendre tous les matins à 7 heures, mais on l'a fait tous les matins avec la conviction qu'il nous avait dit de le faire et qu'il fallait qu'on le fasse. Et puis un jour il nous demanda, mais dans la vie qu'est-ce que vous faites? Nous lui dire que avant nous étions des étudiants en art au collège. Et il nous dit que dans ce cas-là, eh bien, vous devriez peindre des peintures de Krishna. Et peu de temps après, nous demandèrent à être initiés. Joan and Roger were soon initiated, receiving the names Yamuna and Gurudas. And the next day, they were married. At their wedding ceremony, Swamiji presided, wearing a bulky garland of leaves and rhododendron flowers. He sat on a cushion on the temple floor, surrounded by his followers and paraphernalia for the sacrificial fire. Before him was a small mound of earth where he would later build the fire. He explained the meaning of Krishna conscious marriage and how husband and wife should assist one another and serve Krishna, keeping him in the center. Swamiji had commented that he did not like the Western woman's dress, and at his request, Yamuna was dressed in a sari. Joan and Roger furent bientôt initiés et ils recevèrent les noms de Yamuna et de Gurudas. Et le jour d'après leur initiation, se déroula leur mariage.
Alors, cérémonie de mariage, Swamiji présidait, portant une lourde guirlande de feuilles et de fleurs de rhododendron. Il était assis sur un coussin sur le sol du temple. Il était entouré par ses disciples et avec tout le matériel requis pour le feu du sacrifice. Devant lui se trouvait un petit tas de terre sur lequel, plus tard, il allait bâtir le feu du sacrifice. Il expliqua le sens du mariage conscient de Krishna et comment le mari et la femme doivent s'assister l'un et l'autre pour servir Krishna, le gardant au centre de leur vie. Swamiji avait fait la remarque qu'il n'aimait pas du tout l'habillement des femmes occidentales. Et à sa demande, Yamuna s'était habillée ce jour-là en sari. Although Swamiji had called for ghee, clarified butter, as one of the sacrificial ingredients, the devotees, thinking the ghee too costly, had substituted melted margarine. He had called for firewood also, and the devotees had supplied him the bits of a broken orange crate. Now, with Yamuna and Gurudas seated before him on the opposite side of the mound of earth, he picked up a small piece of the splintered orange crate, dipped into what was supposed to be ghee, and held it in the candle flame to begin the fire. The splinter flamed, sputtered, and went out. He picked up another splinter and moistened it in the melted margarine. When he touched it to the flame, it made the same sweet, sweet sound and sputtered out. After trying unsuccessfully for five times, Swamiji looked up and said, "This marriage will have a very slow start." Yamuna began to cry. Bien que Swamiji avait demandé qu'on lui amène du ghee, c'est-à-dire du beurre clarifié, comme l'un des éléments du feu de sacrifice, les dévots, pensant que le ghee ça coûtait trop cher, avaient mis à la place de la margarine fondue. Et il avait demandé aussi du bois spécial pour le feu, et les dévots, à la place, avaient juste cassé une cagette qui contenait des oranges. Maintenant, avec Gurudas et Yamuna qui étaient assis devant lui, de l'autre côté du petit tas de terre, il commença à prendre un morceau de la cagette d'orange cassée. Et il prit le petit bout de bois et le trempa dans ce qui était supposé être du ghee. Et le mit à la flamme pour commencer le feu. Mais la flamme s'éteint immédiatement. Et alors, Swamiji ramassa un autre morceau de bois et le trempa de nouveau dans la margarine, essaya de toucher la flamme, mais de nouveau, elle fit un sweet-sweet et s'éteignit. Il essaya ainsi 4-5 fois d'affilée, et à chaque fois, ça ne marchait pas. Alors il regarda tout le monde et il dit, décidément, ce mariage va commencer vraiment très doucement. Et Yamuna se mit à pleurer. Bonnie and Gary were initiated just 2 weeks after they had met Swamiji. Bonnie et Gary furent initiés seulement 2 semaines après qu'ils aient rencontré Swamiji. Oh là là. Bonnie's initiated name was Govinda Dasi, and Gary was Gorasundar. Although still dressed in blue jeans, even at their initiation, and not professing to know much of what was going on, they had confidence in Swamiji. They knew that their minds were still hazy from drugs, but they took their initiation seriously and became strict followers.
Golasundara throughout whatever marijuana he had, and he and Govinda Dasi began eating only food they had offered to Lord Krishna. 2 weeks after their initiation, Swamiji conducted their marriage ceremony. Donc, Bonnie et Gary furent initiés juste 2 semaines après qu'ils aient rencontré Swamiji. Le nom de, d'initié de Bonnie fut Govinda Dasi et Gary devint Golasundara. Bien qu'ils étaient toujours habillés en blue jeans, même le jour de leur initiation, et ne sachant pas trop de quoi il s'agissait, ce qui se passait ici, ils avaient vraiment pleine conscience en Swamiji. Ils se rendaient bien compte que leur mental était complètement toujours agité et finalement dans les vapeurs, dirons-nous, à cause de la drogue. Mais ils prirent leur initiation très au sérieux et devinrent des disciples très stricts. Golasundara jeta à la poubelle les quelques feuilles de marijuana qui lui restaient, et Govinda Dasi et lui-même ne se mirent à consommer que de la nourriture qu'ils avaient au préalable offerte au Seigneur Krishna. 2 semaines après leur initiation, Swamiji dirigea leur cérémonie de mariage. So here we see again actually Srila Prabhupada, he was so merciful that he gave initiation to persons who actually were not were really we could say still very strongly in the mode of in the lower mode of material nature. Donc on voit ici comment Srila Prabhupada il était tellement miséricordieux qu'il donnait l'initiation à des gens qui étaient, on pourrait dire, encore très affectés par les modes inférieurs de la nature matérielle. Still, you see, they had hardly stopped to take drugs. And it is said here that actually, just after initiation, Golasundara Prabhu, gave up the marijuana. For good. Donc on voit qu'ils étaient encore sous l'influence de la drogue jusqu'à leur initiation, et que juste après l'initiation, seulement là, il a jeté complètement la marijuana qui lui restait. Initiation in blue jeans. So, l'initiation en blue jeans. Bon. But Srila Prabhupada was very strict about, you see, not living together, man and woman, if you are not married. Mais on voit que Srila Prabhupada était très strict pour ses disciples. Pas question pour un homme et une femme de vivre ensemble s'ils ne sont pas mariés. So this is why he performed the marriage ceremony little after their initiation. C'est pour ça que donc il a accompli leur cérémonie de mariage peu de temps après l'initiation. On the evening of the wedding, Govinda Dasi's father came from Texas, even though he objected to Krishna consciousness as radically un-American. Walking up to Srila Prabhupada's seat in the temple, Govinda Dasi's father asked, "Why do you have to change my daughter's name? Why does she have to have an Indian name?" Le soir du mariage de Govinda Dasi, le père de Govinda Dasi arriva du Texas. Il était très très complètement opposé à la conscience de Krishna qu'il considérait comme anti-américaine. Il se dirigea vers le siège de Srila Prabhupada dans le temple et il demanda à Srila Prabhupada: "Pourquoi donc vous devez ainsi changer le nom de ma fille? Pourquoi donc devrait-elle porter un nom indien?" Prabhupada looked at him and then, with a mischievous gleam, looked at Mr. Patel, an Indian guest standing nearby with his family. You don't like Indians?" he asked. Prabhupada le regarda et avec un air malin, regarda en direction de Monsieur Patel, qui était un monsieur indien,
qui était juste dans le temple à côté avec sa famille, et il lui dit mais vous n'avez pas l'air d'Indien vous-même, n'est-ce pas? Everyone who heard Swamiji laughed, except for Govinda Dasi's father, who replied, well, yeah, they're all right, but why does Bonnie have to have a different name? Alors, tout le monde qui avait entendu Swamiji se mit à rire, à part le père de Govinda Dasi, qui répliqua, bon, ben, ça va, ils ont l'air bien ici, mais pourquoi donc est-ce que Bonnie, elle devrait changer et avoir un nom différent? Because she had asked me to give her one, Shri Prabhupada replied. And if you love her, you will like what she likes. Your daughter is happy. Why do you object? So the discussion ended there, and Govinda Das's father remained civil. Later, he enjoyed taking prasad with his daughter and son-in-law. Eh bien, je lui ai changé de nom parce qu'elle me l'a demandé, répliqua Shri Prabhupada. Et si vous aimez votre fille, eh bien, vous aimerez ce qu'elle aime. Votre fille est heureuse ici. Pourquoi voyez-vous une objection? La discussion se termina ainsi. Et le père de Govinda Dasi resta gentleman. Plus tard, il apprécia de prendre du prachadam avec sa fille et son gendre. Govinda Dasi speaking. Gaurasundara and I set about reading the three volumes of Swamiji's Srimad Bhagavatam. And at the same time, Swamiji had told me to paint a large canvas of Radha and Krishna and a cow. So every day, for the whole day, I would paint. And Gaurasundara would read out loud from the Srimad Bhagavatam, one volume after another. We did this continuously for 2 months. During this time, Swamiji also asked me to do a portrait of him standing before a background painting of Lord Chaitanya dancing. Swamiji wanted it so that Lord Chaitanya's foot would be touching his head. I tried. It was a pretty horrible painting, and yet he was happy with it. Govinda Dasi parle de nouveau. Gaurasundara et moi-même nous mirent à lire les 3 volumes de Swamiji, du Srimad Bhagavatam de Swamiji. Et à cette époque-là, Swamiji m'avait demandé de peindre une grande peinture de Radha et Krishna avec une vache. Donc tous les jours, pendant toute la journée, je me mettais à peindre et Gaurasundara, à voix haute, lisait le Srimad Bhagavatam de Swamiji, un livre après l'autre. On fit ça de façon continuelle pendant 2 mois. Et à cette époque-ci, Swamiji me demanda de réaliser un portrait de lui en fond une peinture du Seigneur Chaitanya en train de danser. Swamiji voulait que le pied du Seigneur Chaitanya touche sa tête. J'ai essayé. À vrai dire, c'était une peinture assez horrible. Mais Swamiji fut plutôt très content du résultat. Hare Krishna. It is 9 o'clock. 9 heures. I think we shall end here. Are there questions or comments? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires éventuels? No? Thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada Patita Pavane Ki! Hare Krishna.